Bonjour à tous, la semaine démarre sous le soleil et sous la chaleur, mais vous allez le voir, on va très rapidement changer de décor. Pour le moment, nous restons protégés par un bel anticyclone. Résultat, pas une seule perturbation du côté de la France. Un beau ciel bleu et toujours un soleil radieux. Regardez, ça se voit sur la carte hein, pour votre lundi matin, avec tout au plus quelques passages nuageux qu'on va retrouver sur la façade est de l'Alsace en redescendant jusqu'à la Côte d'Azur. Vraiment rien de bien méchant. Tout de même, une très belle luminosité et surtout une grande douceur au réveil avec déjà 20 degrés dans les de la capitale, 17 le long des bords de Manche. On retrouvera 22 degrés du côté de Toulouse ainsi que de Bordeaux, 26 degrés pour le golfe du Lion et jusqu'à 27 degrés attendus en direction de l'île de Beauté ainsi que de la Côte d'Azur. L'évolution dans l'après-midi, eh bien peu de changements côté ciel avec un soleil de plomb, un soleil radieux qui fait très vite grimper le mercure au-dessus des 30 degrés sur une grande partie de la France. Regardez les températures qui vont s'afficher dans une seconde, 33 degrés du côté de la capitale, 30 pour l'Alsace ou encore 28-29 degrés en direction des côtes de la Manche, 36 degrés, forte chaleur encore une fois, en direction de Clermont-Ferrand ou bien encore de Grenoble, de Lyon ainsi que de Bordeaux. Même chose pour votre mardi, très peu de changements du soleil et de la chaleur. Le changement se fera vraiment dans la nuit de mardi à mercredi. Résultat pour mercredi, vous allez vous réveiller sous de l'instabilité, des averses orageuses qui vont gagner les régions centrales en partant par le sud-ouest. Les conditions qui restent très ensoleillées et surtout la chaleur qui va se maintenir sur la façade est de la France. Ce ne sera plus le cas pour votre jeudi avec cette dégradation orageuse qui va gagner un petit peu plus de terrain et même scénario d'ailleurs pour votre vendredi. Dégradation orageuse qui traverse la France et qui aura eu l'art de faire baisser le thermomètre. 23 degrés en moyenne pour la moitié nord, 24 pour la moitié sud et l'anticyclone qui va regonfler progressivement par l'ouest. Résultat des conditions quand même plutôt estivales sous des températures plus respirables pour démarrer le week-end. Bien sûr, la fiabilité reste basse donc n'hésitez pas à revenir nous voir pour un nouveau bulletin. En tout cas, je vous souhaite de passer un excellent début de semaine, de très bonnes vacances si c'est le cas et je vous retrouve très vite.